Salut, salut, je suis le footballeur Diapa Gires. Je suis actuellement à Yaoundé et je suis de la formation. Je suis un produit de la formation. Je suis un produit de la formation Capofoot. Je suis passé Capofoot en 2018-2019. Alors, si je suis là, c'est pour démentir cette affaire sur les réseaux sociaux qui accuse le coach Capello d'abus sexuels sur les jeunes d'aujourd'hui. Je fais juste appel à mes frères qui sont passés à Capofoot et qui sont maintenant à aider le coach vraiment dans cette lancée, à démontrer la vérité surtout sur cette affaire d'abus sexuel. Et je dis non à des informations sur les réseaux sociaux. Je dis non à l'atteinte à l'honneur de quelqu'un. Je dis non à la désinformation surtout. Alors beaucoup de courage. Je vous fais là juste, je vous montre juste ma licence qui prouve que je suis passé à Capofoot parce que je suis un joueur comme ça. Voilà. Voilà donc ma licence Fédération Camerounaise de Football et tout. Comme vous voyez là, j'ai joué et c'est là que j'ai tout appris. Merci, merci. Ciao, ciao à vous. Soyons prudents surtout. Bye. Salut, moi c'est Jack Minier, Fumon Lumière, plus produit de Capofoot. Si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai été curieux quand j'ai ouvert mon téléphone et que j'ai vu sur les réseaux sociaux on accuse le code Capello d'abus sexuel sur les jeunes. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est pour faire un démenti sur cette situation. Parce que là, je suis un peu produit de Capofoot depuis la base. Avec moi, j'ai mes licences où j'ai passé mes classes de minime. Ici, j'ai passé mes classes de minime de 2008 à 2009. Et là, ma licence quand j'étais cadet de 2012 à 2013, vous voyez bien. Et là, c'est là je suis passé junior de 2013 à 2014 où j'étais capitaine de la Capofoot. Donc, pour vous dire que cette maison, c'est une maison qui m'a bercé depuis mon enfance. Donc, si j'ai décidé de faire cette vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est pour démentir cette situation qui me touche sincèrement et je veux vraiment que dans cette affaire que lumière soit faite. Moi c'est Emmanuel Franck, ancien pensionnaire de Capofoot à Bausam. Ici moi je fais cette vidéo c'est pour soutenir mon coach Kande Malin, qui est comme un père pour moi, parce que j'ai vu ce qui se passe dans les réseaux. Ça, c'est du pur mensonge, ça, c'est du sabotage. Parce que moi, personnellement, je suis à Capofoot depuis le bas âge. J'ai joué la Coupe Topavel, Capofoot. J'ai joué la division avec Capofoot. Donc, et quand je parle, j'ai les preuves. Voici mes licences de Capofoot. Depuis le bas âge, je suis à Capofoot. Et moi, personnellement, j'ai vécu avec Capello, Kamde Malin. Donc, c'est quelqu'un que moi, je connais personnellement. C'est quelqu'un que je connais personnellement. Donc, tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux, là, ça, c'est du pur sabotage. C'est du pur sabotage. Donc, arrêtez de salir son image. Arrêtez de salir son image. Moi, que je parle là, je connais Capofoot depuis des années. Je suis à Capofoot depuis des années. J'ai vécu avec lui. Donc ça c'est du n'importe quoi. Ça c'est du n'importe quoi. Moi je soutiens Kande Malin. Oui. Moi j'ai voulu faire cette vidéo pour éclaircir un peu tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Il faut arrêter ça.